Bonjour à vous, j'ai un petit problème. Quand j'ai commencé la vidéo pour enregistrer, ça donne ça. Ah, je casse tous ces œufs, c'est incroyable! Ouais, c'est dégueulasse. Du coup, vous aurez le son de ma caméra, donc c'est-à-dire de mon téléphone, car j'ai pas de caméra, car je suis pas riche. Donc, bah voilà, hein, bonne vidéo quand même, j'espère. Allez, salut! Hey, c'est Dwayne sur Sky, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve sur Resident Evil 2. Donc il est déjà sorti, bon, il est sorti sur Steam et tout, mais en fait il avait déjà été sorti il y a assez longtemps que ça. Mais en fait il a été remasterisé, je voulais tester le jeu, mais bien sûr moi les jeux d'horreur je déteste ça. C'est juste pour moi, ça doit pas faire trop peur non plus, je me suis pas spoil, ce qui est déjà très très bien. Pour commencer le jeu, hein, parce que vraiment je spoil H24, mais c'est pas grave. Allez, on va commencer ça tout de suite, c'est parti. Juste ça, ça fait peur, mais bon, c'est pas grave. Ah merde, ça commence pas, d'accord, ok. Campagne. Charger la partie, continuer, mais j'ai pas joué donc. J'ai une nouvelle tenue. On a des nouvelles tenues apparemment. Ah oui, mais je crois que c'est parce que j'ai le pass, j'ai la version complète ou un truc dans le genre. Ouais, mais c'est très moche. Ils sont mis en naturel là. Hein, on s'en bat les reins. Allez, continuer. Non, bah, charger une partie, bah, une nouvelle partie. Voilà, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je fais du scénario. Ah, il y a deux scénarios, c'est incroyable. Moi, j'avais joué un gars parce que je disais un garçon et je vais me mettre en mode. Attends, le mode de jeu standard. Pour les joueurs n'ayant pas l'habitude. Des jeux d'action, aide à la visée, récupération automatique, quantité de vie, ennemi un peu moins résistant. Non, on va mettre normal parce que sinon ce sera beaucoup trop facile. Mais je pense que j'aurais dû être facile en fait. Parce que moi, vu que je suis très très nul, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va tester. Donc, je suis tout le monde est fort, hein. Je peux être fort, c'est. Je te jure que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Et bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. Je fais partie de quelqu'un. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Oh merde! Non. Oh.
C'est bizarre. Hein? Oula, on commence à jouer déjà juste la cinématique et tout, j'ai commencé déjà à avoir peur, j'avais les cheveux de poule. Non mais j'aime bien les jeux d'horreur, hein. Contrôler la vue. Ah oui d'accord, oh dis-moi, non me dis pas que... Ah oui non c'est bon, les FPSD, oh, ils sont intelligents, hein. C'est rare les jeux qui se mettent déjà de base. Avec les touches. Eh hey, oh, y'a quelqu'un? Shift courir, ok génial. C'est trop dur à jouer. Ça va? Ah là, il y a un joint. Bougez pas, je vais revenir vous aider. Toi là-bas, je vois rien déjà. C'est hyper sombre, je vois rien. Bon, pour moi, faut aller là. Je suis sur sa main qui avait indiqué un truc, je crois. Alors, faut aller là. Hein. Moi, je suis con. Stop, mais si ça commence déjà, moi je veux pas, je suis comme ça, moi. Non, non. Arrête de bouger! Est-ce que tout va bien? Reculez, monsieur, je m'en occupe! Je peux rien faire là actuellement. Ah, c'est dégueulasse, c'est un meilleur fait. Bouge pas! Ou je tire! Je sais pas viser, c'est génial. Allez, casse-toi là, voilà, grosse merde. Il est mort là, hein. Alors, c'est souvent dans les films d'horreur, dans les jeux d'horreur comme ça. Regarde, sa main elle bouge encore, regarde. Regarde, elle va attraper, il va attraper ça. Regarde. Il bouge encore, regarde. J'arrive, il va me buter. Regarde. On va aller le voir, je suis sûr qu'il va se retourner, regarde. Non, c'est bon. C'est dégueulasse, moi je me casse hein. Pourquoi? Ah, la clé. Génial, magnifique. C'est ça, suivant. Ah oui, c'est comme dans Resident Evil 7 en fait. D'accord. L'inventaire s'étable. Nickel, on voit ça. C'est cool. Ça se joue facilement. Et voilà, j'avais raison. Oh putain. C'est impossible. Eh ben c'est tout est possible. Allez quoi, merde. Putain. Allez, casse-toi, vas-y, fuis. Ils sont invincibles en fait, c'est... C'est ça que j'aime pas dans les français jeux, c'est qu'ils sont invincibles, c'est chiant. Hé, hey, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Mais j'avais la clé, non? J'ai une clé. Non. Putain, c'est quoi cette blague, mon gars, mais... En plus, ça bug encore, c'est mon PC, il est nul. Là, il y a une porte. Voilà, j'ai raison. Oui, oui. Lorsque vous faites un objet déroulé, une porte ou activez un mécanisme, sélectionnez l'objet. D'accord. Tiens, utilisez, voilà. Magnifique. Et là, je peux me casser. Vas-y, casse-toi. C'est quoi ça? Oh non, 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 non. Tirez pas! Baisse-toi! Ça va? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon Dieu. Suis-moi!
j'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, des flics? Ouais, Léon Kennedy. Et toi? Claire. Claire Redfield. T'es du coin? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir plutôt. Tu marques un point. Oh la vache! Ah! Léo, il faut que tu recules! Oh non! Oh merde. Claire, sors d'ici! Allez, vite! C'est parti. Non mais c'est n'importe quoi, comment tu veux... Je sais même pas où il est comme Miss. Comme Nico là. Je pense qu'on va passer par là. Un petit chemin. Je pense que je suis bloqué là. C'est tout le monde. Ils sont tous transformés. Non sans blague, ils sont tous transformés. C'est que des zombies depuis tout à l'heure. Voilà, mais c'est quoi? C'est l'enfer. Le voilà. Je suis vraiment à un bon endroit. Je pense qu'en fait c'est intuitif. Faut pas leur tirer dessus, ils vont partir en couille après. Ah ouais, c'est comme ça dans les Resident Evil. Tu peux pas sauter les barrières.
Ah mais non, d'accord, c'est... c'est sérieux, là? Vraiment? Donc on peut pas passer par là? En fait, c'est un chemin... Oh là là, c'est dégueulasse. La beau gueule. Allez, on y va. Voilà. Du balai sous pile. Je suis très moche avec ce casque. C'est génial, je vois aucune balle. Oh, j'adore ce jeu, vraiment. Je déteste quand les Resident Evil n'y a plus de balles. Allez, dis-moi. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Un peu solidement pas. On va récupérer ce truc. Spray de premier secours. Ah bah oui. C'est assez pratique. Tous ces trucs de qualité. Ah ouais, yes. D'accord, donc j'avais chic que ça bug. Voilà, c'est tout. Vraiment. R pour recharger. Vas-y. Bon besoin. C'est quoi ça? Soyez sauvegarde. Oh! Souvent je le fais deux fois parce que j'ai souvent peur de ne plus avoir de sauvegarde. Et désolé si ça bug encore. Et le pire c'est pour moi. Et... Eh oui, il y a quelqu'un. C'est pas bon, ça. David, Marvin, vous m'entendez? On a un moyen de sortir. Tout est là-dedans. Envoyez des renforts dans le couloir est. Il faut que j'aille l'aider. Ah mais tu peux te sauver toi-même, hein, au lieu de... C'est toujours sauver les autres, c'est... Ouais, voir la carte... Oh! Attends, c'est virgule. Moi ça marche pas, c'est ça qui est marrant. J'aime quand moi ça ne fonctionne pas. Et là c'est quoi? Hein? Pistolet glissé à... Ouais mais je sais pas, je les prends au cas où. C'est... Ouais non non, on va les laisser... En fait, faut peut-être en prendre un pour le mec, en fait. Et ça se trouve, le mec s'appelle Albert. Je sais pas pourquoi il y a un petit 3 là. Enfin, moi, je vais changer d'un, 1, 2, 3. D'accord, et si je fais 3? D'accord. Et vu qu'il n'y a pas de mission, ok. Et moi, c'est 2. Voilà, d'accord, ok. Allez, on y va. Vous voyez, ça bug, les petits coups de bug comme ça, c'est mon processeur qui pue la merde. Ah, cette joie de vivre. On va mettre les mêmes. Sauf le cas, tu peux pas trouver ça tout seul, hein. Bon, on s'en fout de ça, clairement. À part s'il y a un schéma, mais non, y'a rien. Moi, j'ai pas d'indice. Alors dans ces jeux, il faudrait toujours trouver un endroit de sortie, un endroit pour... Mais souvent on a une carte, hein, effectivement. Mais moi la carte ne s'actionne pas. Elle s'actionne, ouais. Il suffisait de demander apparemment. D'accord, ouais mais voyez, il y a un petit truc là, mais le problème c'est que je sais jamais comment faire, ça me saoule. Je commence déjà, je suis une grosse merde. Et si je fais la carte, je me... c'est là le point, voilà. Statue de lion. Hein.
Ouais, mais je fais comment, moi, statue de lion, ça a bougé là? Ah, je sais plus que je bouge, ça fait du bruit. Ça. J'aime pas les trucs comme ça. Ah, c'est bon là. Ouais, non, en fait, ça marchera jamais. Il faut vraiment le bon code. Hein. Bon, on se casse. Hein. Je vais essayer de trouver une autre porte. Je sens que ça va durer très très longtemps. D'accord. Donc déjà, ça va jamais, ça va plus jamais marcher. Toutes les portes vont être bloquées comme d'habitude. Voilà. Donc là, je vais être bloqué. Je vais devoir faire demi-tour. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Le problème, c'est que je sais à 100%, je suis sûr même, que ça là, ça. Enfin, c'est ça qui va ouvrir une porte ou un truc. Mais non, mais Mathieu, bien sûr, il ne sait pas faire ça. Donc, il va tout de suite abandonner. On se rejoint quand j'aurai trouvé un truc parce que les deux côtés apparemment il n'y a absolument rien hein. À part si. Et ben voilà, parfait. Je disais bien qu'il y avait bien une porte mais les deux choix bien sûr. Moi j'ai pris le mauvais choix comme d'hab. Ah c'est cool ça, ça c'est vraiment pratique. M'en fous des tenues, je m'en fous des tenues. Ouh c'est mes pas, d'accord ok. D'accord ça. Moi je lis jamais hein. Sauf quand c'est des trucs très intéressants. Là. D'accord. Faut un code, plein de détails, des trucs. Ah mais c'était grâce à ça, non? Je suis con, j'aurais dû lire. Non, mais c'est une blague. Ma vie est nulle. Comment on avance dans un jeu comme ça? C'est pas possible. Ah! Enfin! Quelque chose d'incroyable! Allez, trouve un couteau. J'ai rien. Là, j'ai un truc. Ah! Enfin! Dégueulasse, putain, ah là là. Mais non, parce que quand il y a une musique comme ça, un bruit de fond, c'est pas. Ouais, ok, ouais. Bref. Ouais. Wouah. Wouah, et puis c'est pas fluide ici, non, putain. Allez, encore un truc qui. Non, mais là. Toujours bloqué, bloqué, tout est bloqué par. Ah mais ça fait pas flipper. Non, pas du tout. Non mais moi j'ai pas peur hein. Non. Sérieux, voilà, là je peux rien faire. Mais ça va pas aller du tout, regarde. C'est quoi ce bordel? Ça bug à mort. Comment tu veux que je joue? Mais c'est quoi ces endroits? Je veux de la lumière s'il vous plaît. Lumière? De la lumière. Yes. Oh mais c'est dégueulasse. Ah mais il est mort. Yes. J'ai des munitions. Du coup ce pistolet fait peut-être plus de dégâts je pense. Donc on va le recharger. Est-ce une bonne idée? Je ne crois pas. C'est pas grave. Voilà. Mais vu qu'il y a la lumière maintenant, c'est cool. Ok, là il y a quoi? Bah rien comme là, parce qu'on a toujours rien dans ces. Ah putain. Alors, on n'a pas des indices. Mais des indices quoi! Des trucs! Putain, mais c'est incroyable hein! Donnez-moi des indices. En fait, je sais jamais quoi faire dans ces jeux. C'est pour ça que je joue jamais à ces jeux parce que je ne vois pas ce qu'il faut faire.
J'arrive pas à comprendre le but. Y a pas de consigne, y a rien, y a. Faut que je rejoigne un mec où je peux rien rejoindre parce que toutes les portes elles sont bloquées, j'ai aucune clé, j'ai rien. C'est pour moi c'est incompréhensible, c'est impossible de jouer. Je dois aller là. Actuellement. Quand j'y vais, bah y'a rien. On va refaire le parcours. Si vous ne croyez pas, on va refaire le parcours. Voilà, on va courir. On va courir pour lui, hein, parce qu'il ne faut pas. C'est un peu une montée extrême. Voilà, on va là, on va tout prendre tout droit. Là, là on peut pas se baisser. Ça... Ne dites rien. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer, hein. Là, c'est. Bon sang, encore un mec. Bah oui, hein. Une clé. Putain, c'est incroyable. Mais quoi? Ouais bah tiens, on va là, on peut ouvrir. Aide-moi! Donnez votre main! Je vous tiens! Votre main, allez! C'est incroyable! Ouais. Et de quoi te débouler en train de courir? Oh yes, oh magnifique. Oh yes, lion, feuille, aigle, magnifique. Lion, feuille, aigle. Ah, casse-toi, grosse. Ah. Il est revenu, mais après. Lion, feuille, aigle. Pourquoi être drapé derrière ton monde? Oh là là, mais c'est où la sortie? Lion, feuille, aigle. Vite. Lion, merde, c'est un cul-de-sac. Mais je vois rien! Mais je fais quoi? Ça bug en plus! Vite, casse-toi, vas-y, on passe par là. Non, mais casse-toi! Mais casse-toi, vite, de merde! J'ai envie de dire comme d'hab, hein. Hein? Parce que t'aimes bien mourir. Mais où est-ce qu'on est? Putain, mais ça va. Allez, crève, vas-y. Merde, merde comme vous pensez, hein, vas-y. De toute façon, je peux rien faire. Je peux même pas bouger! Oh, il y a un moment. Je me demande toujours, j'ai plus de série. C'est dégueulasse. Allez, barre-toi, allez! Dégage! Vas-y, voilà. Prends, vas-y. Voilà, hein, il y a un parking. Ça, c'est la sortie, d'accord. Okay. Donc, ça, c'est la sortie. Les trois, il sait pas ce que c'est.
ça, du coup, c'était Lion, Feuille. Et moi, je voulais du coup la sortie. Donc là. Faire ça, 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 ça. Mais ça, c'est pas bloqué, ça. Hein, c'est pas bloqué, dis-moi. Non, là, je vais faire ça tout le temps, ok? Donc là, on est comme ça. Vu que normalement, pour moi, là, je devrais aller à gauche, du coup, je vais à droite. Je fais, ok, je vais à droite. Voilà, 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 non. Ah non, mais ça a changé, c'est ça qui est drôle quand même. Ah, c'est bien là qu'il faut aller, et c'est là. Ah, c'est un cul-de-sac là, putain, mais c'est incroyable. Hein. Là, faut aller là, on est d'accord. Oui, mais je fais quoi de là maintenant? Ah, vous m'en doutez, il fallait bien les tuer quand même. Là, il y a un mur. Putain, mais ça bug, je vois rien! Allez! Casse-toi! Mais pas comme l'autre là. Allez, casse-toi, allez. Oh yes, un sauveur. Attention! Je prends nos coups. T'es en sécurité. Pour l'instant. Pour l'instant. Merci. Marvin Brana. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Hey. Non, non, prends pas sa main, elle est dégueu. Ah, je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. Bah, surtout avec un homme coupé en deux, tu pouvais pas faire grand chose, je pense. Hein. Du coup, t'as fait ce que t'as pu, ouais, on va dire ça. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses... Uniforme ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris? Compris. Eh bien, yes, nous avons le couteau de Kuma. Comme ça, nous allons pouvoir couper le truc qu'on a vu. Et il n'y a pas longtemps, on avait vu un truc qu'il fallait couper. Et, si c'est une arme secondaire pour attaquer... Espace. Ah, ouais. Cool. Et du coup, après, et on a le livre pour le passage secret qui est en haut, je crois... En plus, j'ai un bel équipement, du coup, c'est ce qui est. Je sais pas si je l'avais avant, mais je l'ai pas remarqué. Et du coup, le passage secret qui doit être bon, du coup. Bon, on va s'arrêter ici. Je sais pas si. Ouais, non, c'est bon. J'espère que ça vous a quand même assez plu. Bon, je rage parce que. En fait, mon PC, il lag tout le temps, c'est vraiment casse-couille. Ça m'énerve!
Ça, à chaque fois que tu bouges, à chaque fois qu'il y a une action, et ben ça bug. Mais c'est pas la graphique, y'a rien, mais... C'est pas grave, j'espère que ça vous a plu quand même, c'est pas lâché en gros un petit peu plus comme d'habitude, ça m'aide, pour savoir si vous aimez bien. Et puis, du coup c'est une série, et je ferai plein d'épisodes dessus pendant les vacances. Après je ne sais pas si je pourrais, mais... Vous avez compris, je suis un élève et je ne peux pas... Bon allez, je parle trop, allez, salut !